Eudora. Je suis pas sûr que Eudora ce soit si fort que ça en fait. Mais bon, là il y a pas le choix. À partir de salut Twitches, à partir de combien de codes tu penses que ça joue correctement? Je pense qu'à partir de 6000, ça joue correctement et je pense qu'à partir de 8000, ça joue très bien. Il y a de la compétition sur Battlegrounds, il y a des tournois communautaires. Des gros tournois communautaires et il y a le ladder. Le ladder qui est extrêmement compétitif. Parce que tout le monde se bute sur le jeu. Et c'est très agréable. C'est pas ça le play en fait. C'est de rusher ça, hein, je pense. Écrouez-vous un peu. Vous pouvez y arriver. Hop, hop. En fait, on vendra lui. On le garde juste de combat. Super bizarre hein, ce que je fais, mais... Ce serait bien de te voir dans un vrai tournoi offline sur Battlegrounds. Bon, il n'y en a pas. Les tournois offline, il n'y en a pas vraiment. Avant, il y avait des LAN avant le Covid, mais... Ça, c'était avant. Est-ce qu'il y a une énorme différence entre les joueurs à partir de 10K ou bien c'est plus le temps de jeu? Ah non, il y a une différence. Impressionnant. Rappelez-moi de jamais vous énerver. Non, non, il y a une grosse différence entre les joueurs. Enfin, il y a une différence. Pas une grosse, mais il y a une différence entre les 9, les 10, les 10, les 11, les 11, les 12, les 12, les 13, les 13, les 14, les 14, les 15, etc. Mais tout le monde peut gagner. Tu vois, là, dans ce lobby, il y a beaucoup de 8 et il y a un 14. 14-7. Bah, le 14-7, c'est pas parce qu'il a 14-7 qu'il va forcément gagner. Un 8 pourrait gagner. Vous jouez gros. Pas d'accord avec ça, il y a une question de jeu. Il y a une question de temps de jeu. Indirectement oui, parce que le temps de jeu crée aussi la théorie. Tu vois, plus tu joues, plus tu maîtrises de la théorie, mais c'est pas le temps de jeu qui fait monter ta cote. C'est le temps de jeu qui fait que tu vas progresser et de facto tu monteras ta cote ensuite. Mais... Ouais, on va faire un play super bizarre, mais je suis à l'aise avec ça. Watch out. Rondelito! Le cerveau! Oh, vous l'avez pas encore péri. Parfait. Le fameux cerveau. La belle cervelle. Oui, c'est la connaissance du jeu. Après, la connaissance du jeu est aussi liée au temps de jeu. Au temps que tu mets sur le jeu. Pas forcément à jouer, mais à théoriser. Moi, quand je finis mes lives le soir, je fais toujours un peu de théorie. Avant de dormir, je fais un tout petit peu de théorie. Bah, c'est quand même du temps de jeu. Pas de bagarre dans le
saloon. Allez régler ça dehors. La rondelle, monsieur Frodon, mais Frodon, il a rien à voir avec la... Il a rien à voir avec ça, hein. Tu vas le laisser tranquille, hein. Ça fait ta raté de partout à la fin. On peut refaire un... Ouais. Attention, je suis en plein groove. Un ajout de qualité. Vous avez soif ? Une rondelle, c'est presque un anneau. Mais lui, il s'appelle Rondelle. C'est son prénom. C'est Monsieur Rondelle. Enfin non, c'est même pas Monsieur Rondelle, c'est Rondelle. Donc appelle-le comme il s'appelle, Rondelle. Rondelle, le cerveau. Le cerveau, c'est son nom. Monsieur le cerveau. Prénom, Rondelle. Pas elle ronde, hein. Rondelle. Paysagiste irascible. Elle est belle la carte, hein. Les rondelles de pouvoir. C'est moins classe que les anneaux de pouvoir, franchement. Ça aurait peut-être été mieux à regarder les rondelles de pouvoir, mais... Le nom est moins classe. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Ça c'est incroyable. Le cube mystère, c'est incroyable. Ouais, c'est pas sympa ça, mais c'est vrai. Y'a aucun taverne 4, sérieux.
Quand tu commences à faire des compos rondelles, c'est qu'a priori ta gamme elle est pourrie. Hein. Pas le seul à avoir raté ma game a priori. Andy. Ça me pétarde la tête partout à la fin. Dégueu là par contre. Ça donne une pièce? Même pas. Choqué. Choqué et déçu. Et paf! Bagarre dans le saloon. Allez régler ça dehors. Compliqué cette game, hein. Gobelin, c'est dégueulasse. Je vais avoir quoi? Une pièce là? Dégueulasse. Le mort. C'est mon pote. Soit de sort gratos, soit de mecha. Bah de sort gratos, non? Ah non, mais là, on doit choisir le gros bibelot. Bah de toute façon, le sort gratos, non? Vu la game, là. Et là, on a... du caca. Du bon caca, magnifique.
plaisir de faire affaire avec vous. J'aurais pu ne pas l'acheter. Il y avait 99 planètes sur 100 où je l'achetais pas à la fin. Ok. Au moins je l'ai. En vrai, je voulais Leroy, mais bon. Le mort, il est pour moi. Ah non, je suis deuxième, mais qu'est-ce qui se passe? Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Ce serviteur, c'est un habitué. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Je ne fais qu'un avec les épis. La lumière a quitté ces lieux. Ok. Dragono, Dragono, dra 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 Dragono. Tu feras gaffe, Rafam, t'as pas de board. Hein. Fais gaffe, hein, parce que tu prends 100% contre mon board tout nul, hein, mais bon. C'est peut-être pas si nul mon board, mais la game est compliquée par contre. Chercher des noises de sitôt. La roue. Ouh, bah 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 bah. Ça marche avec Nala. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Oh.
Ok. Prochain tour, on va manger le pitre hirsute. Hirsute ! Ok. Tu fais bien le gars hirsute, moi je suis un vrai hirsute. Hein. J'ai mon duck d'hirsute. Je garde mon secret. Ok. Ça pétarade de pas. Ouais, ça pétarade dans les chaumières. Le premier serviteur qui meurt donne ses caractéristiques maximales. Ouais, c'est gros ça quand même. Ouais, j'ai deux mechas. Peut-être virer lui. Des gemmes de sang, quelle gemme de sang. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Disque jockey. Ça, c'est taverne quoi ? À 5, hein. Bon filon, ne lâchez pas. Il est beau ce dragon, hein, cet oiseau là. Chercher des noises de sitôt. J'ai un seul gars sans type. Je vois que vous lancez un sort sur un ça. Non, le Dalaran. Hein. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh what? Ouais, c'est strong en vrai. Je ne fais qu'un avec les esprits. Nous sommes. Ah. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Cher. Ah, j'ai pas envie de perdre mon amalgame en visite. Pff, on s'en fout. Hein. Juste pour un sort, non. Non.
Sauf que là, je peux le tripler. Je ne fais qu'un avec les épines. Nope. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal, hein. Tu penses que les Draenei vont arriver sur BG? Je pense qu'ils arriveront avant les totems, ouais. Moi, je connaissais pas la race Draenei. Et ou Draenei? Draenei? Draenei, c'est ça. Draenei. Et ça a l'air super cool. J'aime bien le design et tout, donc ouais, peut-être que la prochaine méta BG, le prochain gros patch, donc dans 2 mois à peu près, ce sera peut-être une nouvelle race et les Draenei. Se transforme en une copie du serviteur se trouvant à gauche de celui-ci. Une copie, ouais, mais genre tu copies ça, t'es bien. Ouais, mais non, 5. C'est bizarre en vrai comme carte, mais c'est pas nul, mais c'est pas bien. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Dragon, dragon, dragon. Ouais, elle est boubou, hein. Il a perdu contre l'autre et l'autre il était tout naze. Je devrais le massacrer lui. Tout petit. Il est trop mignon le board. Let's go! Grâce à l'Hirsute, c'est l'Hirsute qui fait gagner! C'est l'Hirsute qui fait gagner! Pas du tout, mais il est là en tout cas. Il a gagné comme les autres. Incroyable. Comme quoi, avec ma strat méga agressive de Dora là, au tour 1, j'achète pas de cartes. Je rush le pouvoir, je vends tout, bim bim bim. Je pars en bourrin. Je sais pas si c'est ça qui fait gagner, mais quoique si, parce que ça m'a permis de rentrer rapidement un autre pouvoir de Dora. Et c'est sur ce pouvoir, je crois, que j'ai pu récupérer la Nala, non? Oh là là, le massacre, je les ai massacrés à la fin. Let's go!